Coucou à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous présenter 10 expressions qui existent aussi bien en français qu'en espagnol. C'est parti! Alors, la première expression, de tal palo, tal astilla. En français, on dit tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Deuxième expression. Más vale pájaro en mano que un ciento volando. En français, on dit un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Troisième expression, al mal tiempo buena cara. Faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Quatrième. El que se va a la silla, pierde su silla. Qui va à la chasse, perd sa place. Qui va à la chasse, perd sa place. Qui va à la chasse, perd sa place. Cinquième. Matar dos pájaros de un tiro. En français, on dit faire d'une pierre deux coups. Faire d'une pierre deux coups. Faire d'une pierre deux coups. Sixième. Ojos que no ven, corazón que no siente. En français, on dit loin des yeux, loin du cœur. Loin des yeux, loin du cœur. Loin des yeux, loin du cœur. Septième, al que madruga, Dios lo ayuda. En français, on dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Huitième expression, en casa de herrero, cuchillo de palo. En français, on dit, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Neuvième expression, Hablando del rey de Roma, y mira quién se asoma. En français, on dit, quand on parle du loup, on en voit la queue. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Et dernière expression, cuentas claras, amistades largas. Les bons comptes font les bons amis. Les bons comptes font les bons amis. Les bons comptes font les bons amis. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire les thèmes que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous!